Bonsoir, bientôt dans 13 minutes exactement, l'épisode 3 de la saison 3 de Champ Libre. Maintenant, c'est comme une série américaine, hein. Champ Libre, c'est pareil, mais encore une fois, vous allez le voir dans un instant. Nous allons prendre l'air, l'air de la polyphonie euh, occitane sur lequel on peut faire du pogo, c'est possible ou presque, un air de guitare de très très haut niveau, le grand air avec des photos du LM absolument magnifiques. Bref, on va en parler dans un instant avec euh, nos, nos invités. Il y a bien sûr Sonia Moumen euh, qui Bonjour. vous présente et qui coproduit notamment euh, cette, euh, cette émission euh, Chant libre que vous connaissez euh, maintenant. Et il y a euh, à ses côtés euh, Monsieur Nis Nicolas Pétalier. Pourquoi Parce que Bonjour. vous allez le voir dans le mag de ce week-end. Il y a justement euh, un personnage haut en couleur qui est aussi dans Chant libre. Avec nous également Nathalie Lanzi. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente à la culture au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On va voir effectivement comment la région accompagne ces initiatives de, de culture euh, à, à la campagne. Et justement, bah, pour parler aussi de ce genre d'initiative, il y à vos côtés Cardinal Cavador. Euh, vous, c'est la rurale, la rurale en un seul, en un seul mot et sans eux. Et vous, <laughs> vous organisez beaucoup de choses au niveau culturel. Accruons d'abord. Et dans le Créolais Maintenant, on va parler de vos initiatives dans quelques instants. Soudia Moumen, euh, si, euh, si on devait résumer ce, cet épisode 3 qui va suivre, on dirait quoi Encore une fois, on fait le grand écart, on va, on va partout, dans, dans, dans des coins absolument fabuleux, à rencontrer des gens merveilleux. On, se, on va se régaler encore, c'est ça? On va prendre l'air, vous avez utilisé la bonne expression, je crois. On prend de vous la hauteur là, et bien. on prend de l'air. Des bouffées d'air frais, effectivement, ouais. avec des artistes et des porteurs de projets de toute génération, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui nous amènent dans leur univers artistique. Et c'est assez fabuleux. Alors, un air de guitare, je le disais, puisque nous irons dans le Béarn à La Hontan, un petit village de 512 habitants. Où il y a un festival international de, de, de guitare qu'on n'a pas forcément envie de développer là-bas, mais qui euh, accueille vraiment des guitaristes de très 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 haut niveau, euh, avec des échanges entre entre festivals et, euh, et etc. Il y a euh, Yannick Lavigne, lui fait des photos extraordinaires par euh, de, du LM, euh, des photos euh, entre La Rochelle et Bayonne, à Contis. Là, un cinéma extraordinaire. Mmh. Mmh. Comment, effectivement, une petite structure dans un lieu plutôt euh, touristique et balnéaire, a priori entre guillemets vivant quoi, deux, trois mois par an, peut <coughs> avoir un cinéma en permanence C'est ça, hein, C'est le, le cinéma de Conti, c'est une vraie réussite. Hein. Oui, c'est une vraie réussite et c'est un festival aussi euh, tout au, euh, enfin, dans une autre période de l'année, mais c'est, je pense que c'est l'idée du, du collectif. Euh, de cette idée de maintenant désormais de faire un festival et de le faire perdurer dans l'année et de créer ce, ce fil rouge, on, on, des événements, des événements de qualité, un travail de qualité avec des bénévoles et surtout, je le répète, un collectif autour de cinéma. On sent que de plus en plus les gens euh, vont dans ce type de cinéma et rejettent quasiment, quelquefois, même les grands groupes parce qu'ils veulent retrouver, ils veulent se retrouver et retrouver une âme. C'est vrai que le festival de Comptis, c'est un festival des nanométrages. Un nanométrage, c'est 45 secondes, pas plus. Et dans le numéro euh, de Chant Libre qui va venir, il y a une Brésilienne qui dit c'est absolument hallucinant cet endroit, de pouvoir <laughs> mélanger comme ça un lieu touristique. Et un lieu culturel au Brésil, ça ne se fait pas. Elle était émerveillée, hein, c'était net. Oui, net, alors surtout que c'est une jeune femme qui vient d'une très grande ville au Brésil. Enfin, elle, elle dit que c'est une petite ville, mais il doit y avoir 3 ou 4 millions d'habitants. Euh, et elle, elle se retrouve à représenter le Brésil, puisque cette année, la compétition des nanométrages avait pour invité d'honneur le, le Brésil. Donc une quinzaine de nanométrages brésiliens, quelques réalisateurs ou producteurs brésiliens qui étaient présents. Et c'est notre rubrique du bout du monde, c'est montrer comment dans les campagnes, ce n'est pas parce qu'on est isolé, à Contis, euh, en, en bord d'océan ou dans la campagne, qu'on n'est pas connecté à l'international. Enfin, en même temps, il être isolé à Contis, euh, ça m'irait bien. Hein Parce que très franchement, c'est un petit coin absolument extraordinaire, Contis. Euh, justement, euh, Cardinal Cavador, euh, Contis, ce petit cinéma de Contis, c'est exactement la preuve qu'on peut vivre la, faire vivre la culture en milieu rural. Alors, parlez-nous un petit peu, vous, de, de la rural, ce que vous faites. Au début, tout a commencé à Créon. Et maintenant, vous essayez un peu partout. Tout à fait. En ouais. fait, euh, l'association La Rurale, elle est née à la base en 2005 euh, d'une volonté politique. Euh, donc c'est l'ancienne municipalité qui a mis autour de la table, euh, puisque dans le créoné la spécificité, c'est que tout est porté et délégué à des associations, même jusqu'au euh, crèche, la petite enfance. Donc ils ont mis autour de la table l'ensemble des présidents et des présidents des associations culturelles et euh, c'est soldé la création de cette association qui mmh. devait censer coordonner l'ensemble des initiatives qui étaient déjà existantes. Il y a d'ailleurs un cinéma d'arrêt d'essai à Créon qui est très très, très actif. Aujourd'hui, en 2005, euh, on a développé, 15 ans après, un vrai projet de, culturel de territoire. Euh, puisqu'on a, euh, après la commune de Créon, euh, eu l'accompagnement de la communauté des communes pour euh, développer des projets de médiation sur l'ensemble des 15 communes euh, de cette collectivité, puis euh, le soutien du département, de la région et de l'État. On est bien d'accord, hein, ce n'est pas uniquement qu'un festival, vous, c'est vraiment une, une action culturelle. Tout au long de l'année, sur, oui. sur, sur un, un territoire, vous l'avez dit, d'une quinzaine de, de, de communes À peu près 17 000 habitants. Alors, effectivement, l'essentiel de l'activité se passe quand même à Créon. Euh, et on a trois missions transversales, je dirais c'est la diffusion de spectacles. À peu près entre 30 et 40 compagnies accueillies chaque année, euh, sur une programmation pluridisciplinaire et plutôt estampillée, euh, cirque et musique, jazz de création surtout. Euh, mais aussi. Alors, on est bien euh... d'accord, vous avez fait quand même le, le choix d'une programmation pointue, c'est-à-dire jazz de création oui. et euh, cirque, non. mais ce n'est pas besoin le clown, quoi. on est d'accord, hein, euh, tout ce qui est. On est, est vraiment euh, sur des aspects vivants. Et donc, vous avez fait le pari quand même d'avoir une, une démarche culturelle un, un, un peu pointue dans une commune rurale. Oui. Ça ne vous a pas fait peur non, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'est trouvé les moyens de créer la rencontre et le partage avec les habitants du territoire, ce n'est pas juste venir au spectacle, pousser la porte d'une un, salle de théâtre. Mmh. En fait, on arrive à fidéliser euh, des habitants. Euh, la spécificité aussi de notre association, c'est qu'il y a deux salariés permanents, mais il y a 137 bénévoles derrière qui sont à l'œuvre et qui euh, nous accompagnent. En fait pour porter ce projet global. Il euh, y a aussi euh, une quinzaine de projets d'éducation artistique qui sont menés sur le territoire tout au long de l'année. Donc ça fidélise euh, tous les publics de la petite enfance jusqu'aux aînés. Et tous ces publics-là sont heureux de se croiser, de se retrouver dans les salles, euh, mais aussi euh, à l'extérieur des salles, puisqu'on y accueille des spectacles dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés. Nathalie Lanzi, c'est ça, hein, qu'on retrouve, mmh. et puis peut-être Sonia peut intervenir là-dessus, euh, c'est que très souvent, euh, on... on le, le mot bénévole euh, il revient systématiquement. Hein, dès qu'il y a effectivement un, un travail comme ça culturel en milieu rural, très vite, on, on, on a l'impression que sans effectivement le, le bénévolat et l'enthousiasme des personnes du territoire, ça ne peut pas se faire. Et c'est ça qui est, qui est assez étonnant, hein, ce côté un peu euh, faire en sorte que ce soit une sorte d'énergie de, 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 hein, pour, euh, pour tout le monde. Alors, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs éléments. Il y a d'abord l'ambition qu'on donne au territoire. Au-delà de ça, il y a aussi, comme on le voit pour ce projet, l'idée qu'on laisse autonomes les structures et les associations à qui mmh. nous on fait confiance. Et ensuite arrivent ces bénévoles qui sont des gens, des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire, qui sont impliqués et qui sont complètement impliqués et qui souhaitent le faire de plus en plus toute l'année et, en, et enfin il y a le le lien et l'exigence du spectacle des spectacles qui sont proposés vous l'avez souligné vous, et on est tous d'accord les gens n'ont pas peur euh, n'ont jamais peur des spectacles qu'ils vont voir dans la mesure où ils sont préparés qui sont intergénérationnels et surtout qui a une exigence comme vous dites on ne doit pas leur montrer n'importe quoi il faut arrêter de penser que les gens peuvent, ne peuvent pas tout voir on, on s'est rencontrés plusieurs fois d'ailleurs sur des, des, des festivals on dit oh là là moi je, je regarde toujours le, le les spectateurs en me disant, tiens, ils, ils sont là, c'est exigeant, euh, et ils sont là, passionnés, ils reviennent, et c'est ce qui fait voilà, tout, tout, tout ce projet en de territoire auquel nous croyons beaucoup. Alors, en, en matière de, de. Ah oui Oui, non, sur la question Je... de, du, du bénévolat, oui. c'est vrai que c'est quelque chose, c'est le carburant. Oui. C'est ça, enfin, c'est un net, des carburants c est, c est très net. C'est vraiment transversal, ouais. champ libre, systématiquement, on retrouve, Absolument, c'est quelque ce chose qu'on trouve très, très fortement. C'est aussi pour les habitants, euh, souvent, une très grande fierté oui. euh, mmh. d'avoir des événements de qualité, que ce soit à l'année ou ponctuellement, qui viennent euh, euh, nourrir leur territoire de manière un petit peu différente et puis qui invitent d'autres à porter ce regard-là. Euh, donc la question du bénévolat, c'est quelque chose qui est vraiment transversal. Je voulais juste préciser que à la MECA, euh, l'OHARA oui. organise à la fin du mois, le vendredi 27, une rencontre justement sur la question du bénévolat et notamment du bénévolat culturel. Alors l'exigence justement en milieu rural, quand on fait de la culture, c'est la transition de tout trouver pour un portrait. Assez étonnant, le plus petit musée d'art contemporain au monde, et en plus, il <laughs> est sur roulette. c'est l'œuvre d'une artiste plasticienne assez, assez étonnante euh, qui est basée à Arnac-la-Poste. Ça ne s'invente pas. Hein. C'est dans la Haute-Vienne, et justement, on la retrouve également dans le MAG ce week-end, Nicolas. Oui, absolument. On a un petit partenariat ensemble, le Champ Libre et la rubrique Les gens qui s'aiment du, du MAG de Sud-Ouest qui paraît chaque samedi. On se retrouve toujours parce qu'il y a des, des sujets qui, qui nous attirent et, qui nous, et que, pour lesquels on partage une vraie, une vraie appétence. On, on a confié à Sonia, ici présente, le, le portrait de Chlorine Coranotto, qui est donc cette artiste plasticienne. Elle le raconte très bien, je, je, je vais le faire à sa place quand même. Il faut bien que vous bossiez un petit peu au voilà, quand même, même hein. <laughs> <Non, elle rire> Arnaque-la-Poste et, puis, et puis aux alentours, et puis un peu partout, d'ailleurs, puisqu'elle veut diffuser depuis Arnaque-la-Poste vers le monde entier son art contemporain. Elle a inventé l'antreméthologie, elle se oui. voit comme une, une entremetteuse entre l'art contemporain et les habitants. Oui. C'est exactement le genre de choses qu'on adore dans, dans les gens qui s'aiment. C'est pour ça qu'on fait une petite excursion en dehors de la limite de la zone de diffusion du journal Sud-Ouest, qui ne recouvre pas tout à fait la, la Nouvelle-Aquitaine, pour aller en Haute-Vienne. Et puis, euh, ça s'inscrit tout à fait dans une, une série de, 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 de sujets dans ce genre. On avait fait notamment un Pollen à Montflanquin, qui est un très beau projet ah. euh, là aussi, euh, où l'art contemporain <laughs> rencontre les habitants. Et je pense qu'avec ce, qu ce que je viens d'entendre sur la rurale à Créon, oh je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça, ça un croit genre croit qu gens qui s'aime. Ah oui, parce <laughs> que là, vous avez, vous avez défini parfaitement, ah, madame, ah, ah, ah. la rencontre et le partage avec les habitants d'un territoire. Je pense qu'il y a tous les mots clés ah, qui exactement. font que c'est un genre qui s'aime pour Super nous. Voilà, On prévenu, en reparlera. pas euh, hein. <laughs> soyez-en sûrs. Euh, alors, justement, par rapport à ça, euh, ne, ne ratez pas dans quelques instants, effectivement, la rencontre avec euh, cette personne assez, assez étonnante qui est entremétologue et qui lance aussi un appel et qui cherche un décortiqueur elle-même, pour essayer de savoir ce qui se passe dans, dans sa démarche. Dans, dans sa, enfin bon, c'est un drôle de personnage. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est quand même qu'elle elle a, elle a, a lancé euh, ce, ce petit euh, musée euh, mobile en 1999. Autrement dit, ce n'est pas une histoire de bobo, la, la, la culture euh, à la campagne. C'est vrai qu'on peut souvent mmh. imaginer ça. Mmh. Oui, non, mais c'est très tendance, c'est très in, machin elle, elle fait ça depuis 1999. Et l'exemple dont je parlais à l'instant de Montflanquin pour elle, voilà. c'est ouais. depuis 1991, donc c'est pas, pas du tout nouveau. C'est ça, donc c'est un champ libre, c'est vrai que ça, ça permet comme ça de, de, de couper, c est, c est, mettre un terme à certaines idées reçues, c'est des là là. bobos, etc. Non, y a, y a, hein, c'est ça. Même... Oui, et, et Chlorine... Là. Clorane oui. Carnotto vit sur le territoire. Oui. Elle a démarré son projet sur ce territoire. C'est son territoire d'adoption. Elle est arrivée de la ville, elle est arrivée de Cannes. C'est par amour qu'elle est allée habiter à Arnac-la-Poste. Et à ce moment-là, elle a bien constaté qu'il fallait faire des choses en matière d'art contemporain. Elle a retroussé ses manches, acheté une camionnette, enfin, fait faire à sa mesure une, une camionnette euh, qui, est, qui est une œuvre d'art à, à part entière oui. et dans laquelle elle met oui. aussi des œuvres d'art. Et elle-même est une performeuse. Donc c'est un ensemble, c'est une expérience. Laurent Cornetto, c'est une expérience. Ah oui, oui, ça, ça je vous le confirme. Vous non, je voulais juste euh, confirmer ce que vous êtes en train de dire, que même c'est souvent un, à l'appui de patience, et c'est sur, sur le long terme, en fait, qu'on construit des projets solides et structurants, et qui, qui prennent une âme, et qui prennent vraiment de, de. Voilà, un beau projet de territoire, il prend du temps, il a besoin de temps pour s'implanter, quoi, quoi. Nous allons continuer dans un instant à parler, bien évidemment, euh, culture en milieu rural, mais tout de suite. Vous avez rendez vous avec Chlorindre Coranotto et, et encore bien d'autres défenseurs de, de l'art en milieu rural. Vous allez vous régaler, c'est tout de suite.